Quand on ne peut pas accepter une situation ou la regarder en face, eh bien, on la détourne. Et dans un couple, par exemple, vous n'avez plus rien à vous dire et il se trouve que des voisins font du bruit. Alors, à ce moment-là, vous allez focaliser votre attention tous les deux sur ces voisins qui sont insupportables, jusqu'à ce que vous créez une pétition, supposons, ça peut aller très très loin, et que vous les fassiez virer. Et là, le silence s'installe et vous êtes face à face avec votre partenaire à qui vous n'avez rien à dire. Face à la réalité, c'est ce qui est compliqué. Aujourd'hui, il y a une réalité qui s'installe et qui est forte et qui est puissante. C'est une réalité d'une société qui ressemble à l'Amérique. Comme me disait ma copine, tu sais, il ne faut pas que tu sois diabétique et que tu aies envie de faire des études parce que ça coûte trop cher là-bas. Eh bien, nous, c'est la même chose. On a l'école, par exemple, où il y a 50% des écoles qui ont un professeur qui manque. Il y a des élèves qui n'ont pas de professeur de français, qui sont au bac de français cette année, mais il y a des classes surchargées, il y a des immeubles mal entretenus, et tout ça, on le règle avec une histoire vestimentaire, hein, soit les robes longues, soit pourquoi on ne mettrait pas le costume pour tous, et quelques heures de plus de travail qui feraient monter le niveau sans s'occuper qu'on n'a toujours pas assez de professeurs. Vous voyez, on détourne l'attention, alors que le vrai problème, on n'a plus envie d'investir dans l'école. Ça, c'est la réalité politique. De la même façon, vous avez le problème de la santé, hein, de la même façon. Eh bien, on n'a plus de médecins suffisamment. Il y a eu 6 700 lits de fermés cette année par M. Macron. Les hôpitaux, donc, sont surchargés. Les urgences se ferment le dimanche. Bref, c'est un état catastrophique. Mais on a trouvé. C'est parce qu'on soigne les émigrés qui ne représentent pas grand-chose dans notre système de santé. Eh bien, si on les élimine, eh ben, on aura un système de santé convenable. Vous voyez, c'est la même chose. Donc, on crée une société libérale, très 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 puissante, qui fait comme en Amérique, si vous avez envie de faire des études de la santé, il faut que vous ayez de l'argent. Voilà. Alors j'avais envie de dire ça ce matin parce que je suis un peu en colère. Ciao.